Après plusieurs mois de manifestations et de débats houleux, Bruno Boileau et Vincent Autain se sont enfin dit oui. Pour époux, Monsieur Bruno Louis Ernest Albert Boileau. Oui. Donc, c'est donc un grand honneur. Premier couple gay à bénéficier du mariage pour tous, une loi promulguée il y a 11 jours. Les deux hommes se sont unis à la mairie de Montpellier. Une cérémonie sous le feu des projecteurs, couverte par quelques 200 journalistes. Parmi les 400 invités, plusieurs élus, mais aussi la porte-parole du gouvernement, Najat Vallaud-Belkacem, à titre privé. C'est une amie du couple. À l'extérieur, l'événement a attiré les curieux, partisans ou non, du mariage pour tous. Un important dispositif de sécurité avait été déployé pour éviter tout débordement. Quelques échauffourées auraient tout de même éclaté.